6h du mat, un petit thé, un petit café, juste avant le briefing. Et en route pour les sommets. Il y a des chemins qui ont été jamais pratiqués en VTT, donc voilà, profitez, savourez. Il faut surtout pas sortir des rues balises, parce qu'il y a du vide sur le côté. Cette première journée déjà, elle a bien commencé avec le départ là, du pic du Midi, là, avec une super vue, lever de soleil magnifique. Donc là, c'était assez difficile cette journée, surtout tout ce qui était portage. Enfin, personnellement, je ne m'attendais pas à porter autant. Ouais, super, ouais. Très beau terrain. Ouais, ouais. On a été gâté déjà dans la première descente. Là, la montée à Rio. Ouais, elle est quand même longue, mais bon, la fin, elle est roulante. Ouais. Ah ouais. Mais bon, il y a eu quand même un bon portage. Regarderez lourdinfo.com. Dur. Rôti. Dur. Content d'être là? Oui. Maintenant, on va se reposer, on va boire une bonne bière. Se me ha roto la rueda hace 5 kilómetros. Oui, effectivement, dur. Bon, l'épreuve, il faisait chaud. Il faisait chaud, c'est de la vraie montagne, du portage, des chemins techniques. Donc, super journée. C'est très difficile. Oui. Je pense que j'avais pas le niveau pour être ici, surtout. Voilà. Deuxième jour, ça va être compliqué, je pense, réussir à faire l'étape en entier. Avec des vélos, on va faire une. Quand on arrive, j'avais tout seul, j'avais un grand sourire dans les yeux. Vraiment, j'ai mon génial.
Ça s'est passé comment là, le circuit hier? Mais très bien. Grosse descente, grosse montée, et un vrai plaisir. Pas trop mal aux jambes? On laisse un peu, mais ça va. Et le monsieur là au fond, là, qui se cache, il est des Alpes, non? Ouais, moi je suis d'Annecy. Nancy. Ouais. Oh, ben vous connaissez les grimpettes alors? Oui, ça me fait pas peur, mais un peu quand même. Voilà. Ça fait toujours mal aux jambes, même si on les connaît. Bon, le gros morceau, le pibest. C'est ça. Ouais, c'est la montée qui fait peur à tout le monde, ça, aujourd'hui. La difficulté du jour. Ok. Ouais. Vinces! Ça va, ça va bien, ouais. Bon, ça va. Vous n'avez pas ça tout à l'heure, je pense, d'ici. Dès qu'on va arriver au portage, c'est pas compliqué. Pas quoi. Trop de problèmes musculaires? Si, ouais, j'ai des crampes et des ampoules derrière les pieds, surtout. C'est le problème. Enfin, c'est ça qui va. On découvre qu'on a certains muscles. Oui. Qu'on ne soupçonnait pas. C'est pas la première fois, donc ouais. Du coup. Ok. Du coup, voilà. Un verre d'eau. Ah oh, putain, okay. Pour ceux qui ne sont pas bien en haut.
Dur, dur. Ça va. Alors, on voit le bout. Ouais. Ah, c'est bon signe. Cette montée a vraiment été le pibes. Ouais, le pibes. Ah ouais, c'est vrai que. Mais par contre, je regarde des bons souvenirs sur les sur le départ, les, sur les descentes. Ouais. Ah ouais, c'est vrai que les descentes sont vraiment magnifiques ici. Toutes naturelles. Merci. La montée au pibes, la montée au pibes, le portage bien hard. La montée au Béhout, non. Et la montée au Béhout pour finir, pour nous achever, c'était bien aussi. Ouais. C'est ça, ça va. Par contre, la descente du pibes valait le coup. La descente était. Le point marquant de la journée, évidemment, le Pibest. Voilà. C'était un beau morceau avec un portage assez long.